très intéressant. J'ai surpris une conversation entre mademoiselle et une amie. Très instructif. Qu'avez-vous entendu? Ce n'est pas simple, ni très propre à dire. Je ne savais pas que vous saviez toutes ces choses intimes, tous ces mots. Bon, dans le fond, il n'y a pas grande différence entre l'être humain et un autre, hein. Quelle horreur! Notre sexe ne se conduit pas comme le vôtre quand nous sommes fiancés. Voyez-vous ça? Elle est-vous bien sûr? Vous donnez bien du mal pour paraître innocente. Cet homme à qui j'avais donné mon amour était un goujat. Oui, mais vous dites toujours ça. Après? Toujours. Toujours, je crois. J'ai déjà entendu ça dans des circonstances analogues. Quelles circonstances? Que celles dont il est question. Et que vous provoquez vous-même. La dernière fois... Ça suffit. Je ne veux pas en entendre davantage. Pareil. Ben, elle ne voulait pas non plus. Bon, maintenant, je demande la permission de me retirer. Et d'aller me coucher. Allez-vous coucher la nuit de la Saint-Jean? Comme Christine. Danser avec cette canaille là où il ne me plaît pas. Vous avez la clé du hangar à bateau. Emmenez-moi faire un tour sur le lac. Je veux voir le lever du soleil. Est-ce bien prudent? On dirait que vous avez peur pour votre réputation. Et pourquoi pas? Je ne veux pas être ridicule. Je risquais d'être renvoyé sans certificat. Un jour, je vais m'établir. Et puis, je me sens plus ou moins engagé avec Christine. Ah, c'est Christine, maintenant. Oui, mais c'est aussi vous. Allez, écoutez-moi. La nuit avance. La lassitude grise. La tête s'échauffe. Allez vous coucher. C'est vous qui donnez les ordres? Encore une fois. C'est dans votre intérêt. Allez, montez et couchez-vous. Chut. Vous me trompez. Voilà des gens qui nous cherchent. Ici. Si nous nous trouvons ensemble, vous êtes perdu. Ce sont mes gens. Je les connais, je les aime et ils m'aiment de retour. Venez, invitons-les. Faisons-les entrer, vous verrez. Ils ne vous aiment pas, mademoiselle Julie. Ils acceptent votre pain et ils crachent sur la main qui tient. Pour ce combat, on ne peut que fuir. Fuir? Fuir mais où? Sortir est impossible. Par là? Non, par là, c'est chez Christine. Et là? Là, c'est chez moi. Tant pis. Venez, allons-y. Nécessité n'a pas de loi. Et puis, je sais me conduire en valet fidèle et respectueux. Venez. Je vous en supplie, venez.